Alléluia. Yamba loyimbo motema. Zwa loyimbo ya motema. Ibonzana pesi na yo kolo. Misama yawe. Zwa loyimbo ya motema. Ibonzana pesi na yo kolo. Sama yawe kembweza iya yo ibonza na pesi na yokolo mi sama yawe kembweza iya yokolo ibonza na pesi na yokolo mi sama yawe Nani oya kufelanga Ati kanke mbona likolo Izali o Yesu Alléluia. Yamba loyimbo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce. Et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Singh. Bien très chers téléspectateurs, aujourd'hui je parlerai sur les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces ascèles qui disposeront leur cœur pour recevoir ces messages. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. Jean 4, Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche des tels qui adorent, des tels qui l'adorent. Je relis. Mais l'heure vient, et elle est déjà, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car aussi le Père en cherche des tels qu'il adore. Ici, j'ai la version Darby. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces tels adorateurs que le Père
cherche. Dieu cherche les vrais adorateurs. J'aime beaucoup la version Darby. Parce que cette version est vraiment proche des textes originaux. Dans d'autres versions, Dieu demande les vrais adorateurs. Non, Dieu ne demande pas les vrais adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Parce qu'il y a une grande différence en grec entre les verbes demander et les verbes chercher. Même en français, c'est différent. Je demande quelque chose, je cherche quelque chose. C'est différent. Le mot grec qui est dans les textes originaux, c'est le verbe djeteo. Djeteo. Djeteo signifie chercher, rechercher ou chercher. Ça, c'est le mot grec. Qu'on trouve dans les manuscrits. Dans les manuscrits grecs, nous avons ce verbe ici, djeteo. Ce n'est pas aïteo. Aïteo signifie demander. Des verbes différentes. Ces verbes ne sont pas la même chose. Ces deux verbes sont différents. Dieu ne demande pas les vrais adorateurs, mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et leur Sauveur sont des vrais adorateurs. Je reprends. Tous les croyants en Christ sont des vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous a cherchés dans le monde. Et il nous a trouvés. Il nous a pris. Et nous sommes dans sa présence. Dieu, jusqu'aujourd'hui, il est en train de chercher les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sont des pécheurs nés de nouveau. J'ai dit les pécheurs nés de nouveau pour vous donner un peu, pour vous ramener un peu dans la compréhension. Parce que quand quelqu'un est né de nouveau, il n'est plus pécheur. Il est une nouvelle créature. Praise God, hallelujah. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu nous a cherchés et il nous a trouvés. Il nous a cherchés où? Dans le monde. Et il nous a trouvés. Il nous a pris. C'est comme l'histoire de cet homme qui avait 100 brebis. C'est les paraboles de Jésus. Un berger qui avait 100 brebis. Et après avoir contrôlé ses brebis, il remarque.
il y a l'absence d'un brebis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regroupé ces 99 brebis pour aller chercher les brebis qui étaient perdus. Les brebis qui étaient perdus, c'est les vrais adorateurs. Dieu était parti, ou je dirais les bergers, étaient partis chercher les brebis qui étaient perdus. Les vrais adorateurs. Tous les croyants en Christ sont des vrais adorateurs. Tu es en Christ, tu dois savoir une chose, que tu es les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Qui est-ce qui est les vrais adorateurs? C'est tous ceux qui sont en Christ. Les vrais adorateurs ne sont pas ceux-là qui mettent les foulards dans leur tête. Les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux-là qui s'habillent avec des longues jupes, des longues robes. Je ne dis pas c'est mauvais de porter des longues jupes et des longues robes. Ce n'est pas mauvais, parce que l'apôtre Paul nous dit, et que les femmes s'habillent d'une manière décente. L'apôtre Paul conseille aux femmes de s'habiller correctement, de s'habiller d'une façon respectable. La pudeur. Je ne dis pas que c'est mauvais de s'habiller d'une façon décente. D'ailleurs, c'est respectable. Il est ridicule de voir des gens s'habiller toutes leurs parties du corps dehors. Ça, ce n'est pas respectable, c'est déshonorable. Mais s'habiller des longues jupes, des longues robes, ne fait pas quelqu'un les vrais adorateurs. Tous ceux qui sont en Christ sont des vrais adorateurs. Même les hommes aussi doivent très bien s'habiller. Parce qu'il y a des façons, je dirais, il y a une façon bizarre dont aujourd'hui, vous voyez des hommes s'habiller, l'air calé sont dehors. C'est un mode bizarre. Ce n'est pas respectable. Mêmement avec les femmes. Elles doivent s'habiller d'une façon décente. Pas exposer leur corps. C'est respectable lorsque vous habillez très bien. Ce n'est pas s'habiller d'une façon luxe. Non, ce n'est pas ça. Praise God, hallelujah. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux-là qui parlent lentement comme des prêtres. Oh, monsieur, comment ça va? Oh, ma soeur, comment ça va? Ce n'est pas ça, les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce n'est pas ceux-là qui parlent très bien les français, ou bien ceux-là qui s'expriment l'anglais correctement. Non, mais je ne dis pas, parler correctement les français et l'anglais, c'est mauvais. Ce sont des langues. Même ma langue, le Lingala,
Vous savez, il y a des gens qui savent très bien parler. Vous savez, un jour, j'en parlerai. Parce que savoir très bien parler, c'est une bonne chose. Praise God, alléluia. Aller tous les jours à l'église n'est pas un synonyme d'un vrai adorateur. Mais c'est très bien d'aller toutefois à l'église parce que la foi vient de ce qu'on entend. Les vrais adorateurs sont ceux-là qui sont en Christ. Parce que Dieu les a cherchés et les a trouvés. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs-là que le Père cherche. Pas demande, mais cherche. Les vrais adorateurs sont ceux-là qui sont nés de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les vrais adorateurs sont des nouvelles créatures. Les vrais adorateurs sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Oh, j'aime beaucoup ces passages. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont disparues. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Les vrais adorateurs sont des nouvelles créatures. Des nouvelles créatures sont ceux-là qui sont en Christ. On ne fournit pas les efforts pour devenir les vrais adorateurs. Nous sommes les vrais adorateurs par la grâce de Dieu. Parce que les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que nous sommes devenus des vrais adorateurs. Alors s'il y a des vrais adorateurs, il y a aussi des faux adorateurs. Les faux adorateurs sont ceux-là qui sont à l'église. Ils ont l'apparence d'être des chrétiens, mais ce ne sont pas des chrétiens. Ils ont l'habillement des chrétiens, mais dans leur cœur, ils sont des loups ravisseurs. Ils sont nombreux à l'église. Il y a des pasteurs qui sont des loups ravisseurs. Il y a des diacres qui sont des loups ravisseurs. Il y a des chrétiens qui sont des loups ravisseurs. Ils ont l'habillement des chrétiens. Mais dans leur cœur, ils sont loin de la présence de Dieu. Nous avons des partenaires même dans les églises qui sont des loups ravisseurs. Ils ont l'habillement des chrétiens, mais dans leur cœur, ils sont loin de la présence de Dieu. Ils n'ont pas Christ dans leur cœur, mais ils sont dans l'église. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul les appelle les faux frères. Nous avions des faux frères dans des églises qui prêchent aussi la parole de Dieu, qui sont aussi dans des différents appartements de l'église. Ils sont dans l'intercession, ils sont dans les domaines de la musique, ils sont
dans les domaines de l'accueil, je dirais donc les protocoles. Ils sont dans des églises. Ils travaillent aussi. Mais ils sont loin de la présence de Dieu. Leur mission est de détruire l'église. N'oubliez pas, Jésus a dit, laissez les vrais et les blés grandir ensemble. Il y a un mélange dans l'église. Les mélanges des blés et livrés. Mais les jours de la moisson déterminera les vrais et les faux. Les jours de la moisson déterminera les blés et livrés. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Et la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Que veut dire adoreront le Père en esprit? Le mot adorer, en grec, c'est proskuneo, proskuneo. Pros, kuneo. Pros, kuneo. Pros, kuneo. Qui signifie adorer. Adorer ou bien se prosterner. Les vrais adorateurs prosterneront les pères en esprit et en vérité. Vous savez, chez les orientaux, le verbe proskuneo, proskuneo, ça signifie tomber sur les genoux et toucher le sol avec les fonds. C'était une expression profonde de la révérence. Donc proskuneo, adorer, ça signifie s'agenouiller et les fonds touchent la tête. C'était un signe, c'était une expression de révérence. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsque nous parlons de l'adoration, nous voyons la prière. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Adorer le Père en esprit, ce n'est pas tout simplement s'agenouiller et le front touche le sol. C'est notre état d'esprit, c'est notre cœur qui doit fléchir les genoux. Devant notre Dieu. Adorer le Père en esprit. Adorer le Père en esprit, ça signifie tout simplement, nous pouvons, ou je dirais, Dieu est adorable dans tout lieu. Adorer le Père en esprit, ça signifie, Dieu est adorable partout. Vous savez, dans l'ancienne alliance,
l'adoration se faisait dans les temples. On n'adorait pas Dieu à la maison. On adorait Dieu dans les temples. Pour ceux qui étaient dans le royaume du sud, adoraient Dieu dans les temples. Ceux qui étaient dans les royaumes du nord, adoraient Dieu sur les monts Garizim. Ça, c'est après la séparation d'Israël. Nous avons le royaume du nord, capitale Samarie, le royaume du sud, capitale Jérusalem. Ceux qui étaient dans les royaumes du nord adoraient Dieu sur les monts Garizim. Ceux qui étaient dans les royaumes du sud adoraient Dieu à Jérusalem. L'adoration était seulement dans les temples. Et ceux qui étaient dans l'exil, lorsqu'ils adoraient Dieu, ils adoraient Dieu dans la direction du temple. Mais les vrais adorateurs aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'adorer Dieu seulement dans les temples. Partout où il peut se trouver, il peut adorer Dieu. Sous un arbre, il peut adorer Dieu. Dans la voiture, les vrais adorateurs peuvent adorer Dieu. Dans la salle de bain, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, ils n'ont pas l'interdiction d'adorer Dieu partout. Les vrais adorateurs adorent Dieu dans tout lieu. Sous les lits, il peut adorer Dieu. Dans sa voiture, il peut adorer Dieu. Sur son lit, il peut adorer Dieu. Partout. Dans l'ancienne alliance, la présence de Dieu était seulement dans les temples. Parce que c'était le point de rencontre entre le peuple et Dieu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit ne signifie pas Dieu est invisible. Dieu est esprit, ça signifie tout simplement Dieu est omniprésent. Dieu est esprit ne veut pas dire que Dieu est invisible. Non. Dieu est esprit. Ça signifie tout simplement Dieu est omniprésent. Vous savez, le mot esprit, en grec, c'est pneuma. Pneuma. Esprit. Âme, vent, souffle, il a plusieurs significations. Dieu est esprit. Pourquoi Dieu est esprit? Dieu est esprit parce que le vent est partout. Dieu est partout comme le vent. De la même manière, le vent est partout. Dieu aussi est partout. Et si vous lisez ce passage, vous allez remarquer les contextes de ce passage. Comme le vent est partout, Dieu aussi est partout.
la présence de Dieu n'est pas seulement à Jérusalem. Parce que Dieu est esprit. Dieu est comme le vent. Dieu est partout comme le vent. Les frères adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. C'est ça même l'ordre de Melchisédek. Dans l'ordre de Melchisédek, on adore Dieu partout. Dans l'ordre d'Aaron, on adorait Dieu seulement dans les temples. Parce que là, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Et la présence de Dieu était dans les lieux très saints. Ça, c'est l'ordre d'Aaron. Les sacerdoces lévitiques. Mais dans les sacerdoces royales, selon l'ordre de Melchisédek, les choses changent. Dieu est partout. Melchisédek, lorsqu'il se rencontre avec Abraham, Melchisédek avait béni Dieu. Melchisédek n'avait pas besoin d'aller au temple pour bénir Dieu. Il a béni Dieu directement lorsqu'il s'est rencontré avec Abraham. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Genèse 14, verset 19. Melchisédek bénit Dieu. Melchisédek rend gloire à Dieu. Dans l'ordre de Melchisédek, Dieu est adorable dans tout lieu, partout où nous pouvons être. Dieu est adorable. Praise God, hallelujah. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Et en vérité. Pourquoi nous adorons Dieu en esprit et en vérité? Parce que Dieu est partout. Nous adorons Dieu en esprit parce que Dieu est partout. Vous savez, il y a des gens qui ont des temples dans leur maison pour lui. Sa prière est exaucée lorsqu'il fait la prière dans les temples qui est dans sa maison. Ça, ce n'est pas le christianisme. C'est de l'occultisme. Nous ne pouvons pas avoir des temples dans nos maisons parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes les temples de Dieu. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est les vrais adorateurs. Nous sommes les tabernacles ambulants de Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu parce que nous sommes son temple. Tu dois savoir cela. Tu es le temple de Dieu. Tu es en Christ. Tu es le temple de Dieu. Psaume 39. Psaume 139. Versets 7 à 13. Psaume 139. Psaume 139, psaume 139,
verset 7 à 13. Où irai-je loin de toi? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au Sheol, tu voiras. Si je prends des ailes de l'aube du jour, si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis au moins, les ténèbres m'enveloppent, alors la nuit est la lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi. Et la nuit resplendit comme le jour, l'obscurité est comme la lumière. Car tu as possédé mes reins, tu m'as tissé dans les ventres de ma mère. Je te célébrerai de ce que j'ai été fait une étrange et admirable manière. David dit, partout où je pouvais être, ta présence sera toujours là. Même si je me cache quelque part, ta présence sera toujours là. Ça, c'est l'omniprésence de Dieu. Il y a des gens, des fois, ne prient pas s'ils oublient son chapelet. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier lorsqu'ils n'aimaient pas les talits. Ça, ce n'est pas les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit, partout où ils pouvaient être. Il peut adorer Dieu. Il peut toujours adorer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent. Pourquoi? Parce que Dieu est partout. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en vérité. Le mot vérité en grec c'est aletheia. 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 Aletheia, ça signifie la vérité. Aletheia signifie la véracité. Aletheia signifie la sincérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père avec sincérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père avec sincérité, avec véracité. Lisons Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur vrai. Le mot grec qui est là-bas, c'est aletheia. Approchons-nous avec un cœur vrai,
en pleine assurance de foi. Le cœur par aspersion, purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'eau pure. Approchons-nous avec un cœur vrai. Combien de gens qui s'approchent devant la présence de Dieu avec un cœur hypocrite. Les frères adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Il y a des gens qui sont à l'église mais ne sont pas des vrais adorateurs. Il y a des gens qui sont à l'église, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont accepté Jésus-Christ par leurs lèvres, mais dans leur cœur, Dieu est loin. Et ces gens-là ne s'approchent pas avec sincérité devant la présence de Dieu. Les faux frères et des faux sœurs. Ils sont prêts à l'église. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Tu es en Christ? Tu es les vrais adorateurs. Tous ceux qui sont en Christ, ce sont les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Plusieurs personnes qui sont à l'église ne sont pas des vrais adorateurs. Dans leur cœur, ils savent très bien, ils ne le sont pas. Ils savent très bien, ils ne le sont pas. Praise God, alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Praise God, alléluia. Adorer le Père en esprit et en vérité. Praise God, alléluia. Adorer le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père avec un cœur sincère. Adorer le Père avec un cœur vrai. Ce sont ces adorateurs que le Père demande. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
ce sont ces adorateurs-là que le Père recherche. Tu es en Christ, tu dois savoir une chose, tu es les vrais adorateurs. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ce jour-là que tu étais devenu les vrais adorateurs. Et nous devons savoir, dans l'église, là où nous prions, il y a des vrais adorateurs et les faux adorateurs. Les faux adorateurs, ce sont ceux-là qui sont, ou bien qui viennent à l'église, mais ils sont loin de la présence de Dieu. Ils ont des postes dans l'église. Les uns les diacres, les autres les prophètes, ils savent très bien. Ils ne sont pas les vrais adorateurs. Ils le savent. Ils prient aussi. Ils chantent aussi. Ils distribuent aussi la Sainte Cène. Ils visitent aussi les membres de l'église. Ils sont dans des chorales. Mais dans leur conscience, ils savent très bien qu'ils ne sont pas des vrais adorateurs. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu en Christ, Dieu est les vrais adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Est-ce que tu veux devenir les vrais adorateurs? Fais cette prière avec moi. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Fais cette prière avec moi. Dans ta conscience, tu saves très bien que tu n'es pas un vrai adorateur. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Praise God, hallelujah. Tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Faites cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a résisté d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci, je crois que Jésus-Christ était mort pour mes péchés et qu'il a résisté d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Oui, Papa, je crois cela. Oui, je confesse dans ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Papa, merci parce que je suis né de nouveau. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, la prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, tu es né de nouveau. Et ce que tu dois faire, tu dois chercher une église. Ne restez pas à la maison. Tu dois chercher une église pour écouter la parole de Dieu. Cherche une église et quand tu arriveras dans l'église,
tu diras au pasteur. Ou tu iras voir le pasteur pour lui dire que pasteur, je vais être baptisé. Si le pasteur te dit tu veux être baptisé, pourquoi? Tu répondras au pasteur. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai confessé dans ma bouche. J'ai crié en lui. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Alors le pasteur te donnera les programmes de l'église pour que tu sois baptisé. Et ce que tu dois faire, continue toujours à suivre nos prédications. Et dis aux gens que tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une nouvelle créature. Et partage ces vidéos aux gens, aux membres de tes familles, aux membres de ta famille, à tes collègues, à tes voisins, à tes camarades. Dites-leur que tu n'es plus la même personne. Que Dieu vous bénisse. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Singra. Ciao.